Nous allons nous mettre debout. Peto Télémi. On va nous lire 2 Rois, chapitre 2, verset 23. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Massa comme elle est loua maï. O di moso kowa di sa anka. Que maudita tu moana ne nyum. E ma gana yo yo ye. Me ma mou vangonga. Ombiki. Be ben kebe. Ne nya kota ni la yesu wa ni. Yes, mon ennemi, Don't do it to the Mwakulo.
Yarwa makana ya ya ya. Konga ubike. Keben keben. Nenda kuta ngila Yesu wani. Yesu mulekele mumaza kongolo. Mewipe mutamba bitu biose biku moshinga. Wamudi mo oh God. Undi mema mukwenze la Zambie. Ele wa vita. Lelu bantapa na umwena lo. Yeye muntu au udi munga la minamu. Yarwa makana yoyo ye. Munga umbiki. Kebe kebe. Nenye kutangila Yesu wane. Yesu mulengele bumaza kongolo. Mewipe mutamba bitu bionso kumushika. Wamudi mo oh God. Undi mema mukwenze la Zambie. Kupabwe ya vita. Lelu bantapa na umwe nalo. Yeye muntu au udi munga la minamu. Yarwa makana ya ya ya. Munga umbiki. Kebe kebe. Nenye kutangila Yesu wani. Yesu mulengele mumaza kongolo. Hallelujah.
Alléluia. 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 Nous acclamons très fort. C'est lui qui vient à jamais. Aujourd'hui, Lélo. Notre thème s'intitule Injure et parjure. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui qui vient à jamais? Alléluia. Amen. Même vous, vous dites que vraiment, il fallait quand même nous parler de la bénédiction. Mais il n'y a pas de bénédiction sans sanctification. Ce qui au sein de l'exalité. Amen, amen. Amen. Vous savez, frère bien-aimé, maintenant nous avons autre chose que l'église. Je pense qu'on doit chercher un autre nom. Pour qualifier les gens qui prient de nos jours. Alléluia. Amen. Je pense qu'on venait de nous lire là les Écritures. L'Église n'est pas qu'un lieu de délivrance. L'Église c'est aussi un lieu d'enseignement. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, dès que vous marchez dans la droiture, dans la vérité, il y a des choses qui vont vous quitter automatiquement. Je vous ai toujours dit que moi, je suis l'enfant d'un évêque protestant. Dans notre église, nous n'envoyons pas les feux chaque jour. Je ne dis pas que ma famille a réussi. Je ne dis pas que ma famille a réussi. Mais ce qui est vrai que dans les années 70, ma soeur était déjà licenciée. Donc c'est pour vous dire que la parole est plus puissante que la puissance du Saint-Esprit. Et l'Église aujourd'hui a des gens qui se comportent comme des démons. Pourquoi? Parce qu'à l'Église, nous ne parlons que des démons et des sorciers. Or, la foi vient de ce qu'on entend. C'est ainsi que vous remarquez les gens qui prient ces derniers temps. Ils ne sont pas très différents des démons. Alors, j'ai rencontré un frère, il disait ceci. Alors, tu vois qu'il y a vraiment un problème. Mais moi, je ne pense pas que cela soit la faute des fidèles. C'est la faute des pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, un chrétien qui ne craint pas Dieu, il ne verra pas la main du Seigneur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la vie quotidienne. Aujourd'hui, quand vous rencontrez les gens qui prient, quand ils commencent à insulter les autres églises, non. J'ai posé la question à quelqu'un. Donc, dans votre église, si nous venons, nous allons trouver Jésus assis en cravate. Il dit bonjour, Godé.
Mais je vais d'abord commencer par définir ce qu'on entend par injure. Nakobanda kotali sana ino kofinga ngwe zali ni. Et par jure aussi. Le parjure, c'est une sorte de reniement de la foi. Parjure ezali ko wanga na kondima. Donc celui qui injurie, yo azali ko finga, il n'est pas dans la foi. Azana kati na kondima te. Un chrétien ne peut pas insulter sa propre femme. Mo Christo un chrétien ne peut pas finga mwasi na yete mo Christo abota misika. En tout cas, les mamans, excusez-moi, moi j'avais les ambitions de devenir femme. Mais ce que j'ai vu quelque part m'a découragé, c'est pourquoi je vais rester homme. Bien-aimé, je suis passé quelque part. Vous voyez les chaises, les fauteuils, appelons ça comme ça, les fauteuils qu'on vend vers le Wenzabayaka. Avec des tissus velours. Yangona bilamba velours. Alors une sœur Ndekomoko Yamwasi avait fait tomber de l'eau Kimai sur ces chaises-là que son mari avait acheté au marché de Bayaka. Likolo bakitio mobali na sombaki na wenza Bayaka. Mais quand l'homme a commencé à insulter la femme, kasi tango mobali abandi kofinga mwasi, tu n'as pas l'envie de te marier. Ozana posa te akobala te. Alléluia. Amen. Mais bizarrement, 3 heures après ces injures, le mari commence l'intercession. Mobali abandi ko bondela. Je vous épargne des détails, parce que dans ces jours-là, c'était l'enfant d'un chien. Est-ce que chez toi, il y a des chaises comme ça? Ezali mwana ya mbwa bipai na bino bakiti ya bo ezali. Et pourtant, ces chaises-là, souvent, ça attire les moustiques. Bakiti yango mingi mingi yango ebenda ka ba moustiques. Et les souris. Ebenda ka pe. Vous pouvez s'en quand même amen, mon quoi. Amen. Est-ce que je peux continuer? Nakoki koko. Alors, quand le papa là commence la prière, tango tata wa bandi li bondeli, on n'entendait rien. Tozala ki koyo ke lo kote. C'est toujours chike bébé bébé bébé, burkindom bobo bobo, chibrekende bereke, burkindom bobo bobo. J'ai dit, mais je ne comprends rien. Parce que ce n'est pas lui qui devait faire ça. Il devait quand même entendre, ne fût-ce que 3 jours après. Parce que même Jésus, après sa mort, pour ressusciter, il a entendu 3 jours. Que les gens oublient quand même qu'il était déjà mort. Vous pouvez quand même amen, mon père. Amen. Alors, je disais que je voulais d'abord définir l'injure. Nangaki kotali sa kofinga ezalini. L'injure, kofinga, c'est soit des propos ezali maloba ou des actes tomisala qui touchent à l'honneur et à la dignité de quelqu'un d'autre. Ezali kosimba na lokumu ya moto mosusu. Est-ce que même ceux qui n'ont mutu munene, il faut yo banga na mutu munene. Même si j'ai la grosse tête, il faut que tu me dises ça. Nga kolo mutu munene, nazoka kilo nango ta na. Moi le propriétaire de la tête, pourquoi vous rappelez nga makambo? Je ne sais même pas le kilo de. Si kota ngo zo rappeler nga na, pona zo na suna libu mama na biso. Quand tu me rappelles ainsi, c'est pour que je rentre encore dans le ventre de ma maman. Acclamons très fort pour le Seigneur. Tu petit maboko makasi pona nkomo. Donc moi je souffre déjà avec cette tête. Ngai nazali konyo kwa mama mutu oyo. Alors lui doit encore me rappeler. Regardez sa tête. Tala mutuna ye. Comme les trapèzes. Ezalo kwa trapèze. Est-ce que quand tu étais à l'école, tu savais comment dessiner les trapèzes? Ou tu commences seulement avec ma tête? Nakela siwe ba kindenge ba ye ma trapèze to bandika na mutuna ngai. Vous pensez en grand même moko bien. Amen. Alors bien aimé, chaque fois que tu prononces des paroles blessantes. Tango nyonso zali ko misa malobo ezali ko zokisa bato. De nature à porter atteinte à la dignité et à l'honneur de l'autre. Tu l'as injurié. J'étais surpris, il y a 3 journalistes. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir s'ils ont des parents ou bien ils sont à Paris comme ça. Dans quand les 3 mousquetaires là insultent, tango batango misato bazali ko finga, vous vous demandez même pourquoi Jésus tarde à venir. Omituni pona nini Yesu azali ko umela pona kozonga.
Mais ce qui m'avait surpris, ce ne sont pas leurs injures, parce que je sais que c'est parmi les Congolais les mal élevés. Mais ce qui m'avait surpris, c'est qu'à la fin de l'émission, l'un des dit que d'ailleurs mon pasteur m'avait dit à l'église. Il a aussi un pasteur. Je sais qu'il est des journalistes parmi vous. Les jours où vous irez insulter les gens à la télé, commencez à prier dans cette chaîne-là. Bien-aimé, la bienséance fait partie de la doctrine chrétienne. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, les injures passent facilement dans la bouche des enfants de Dieu. Et il y en a même les autres, quand ils parlent, ils disent que non, moi je suis Tata Mapasa. Balobi, ngai naza Tata Mapasa. Amen, amen. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Comment s'appelait la femme d'Isaac? Moi, c'est Isaac Kombonéza Kinan. La parole est libre. Il n'avait pas sa mine à Motonions. Rebecca avait fait combien d'enfants? Abota Kibana Boni. Donc, maman m'a passé au Yéne Moutabandi au Passola Liboso. Maman m'a passé avant au Yéne Moutabandi au Rebecca m'a passé au Yéne Moutabandi mais Batambola Lokola yo. Bien aimé, je voulais vous dire que l'église va très mal. Il faut entendre les gens qui prient quand ils se mettent à insulter les autres. Non. Ce frère-là, il n'a pas de belles chaussures. Mais toi-même, monsieur ou madame, Weston. Weston. Est-ce que tu ne peux pas lui apporter des chaussures au lieu de continuer à l'insulter? Sa patte, déjà, ses pieds souffrent de la poussière, des chutes. Tu en rajoutes encore. Bien aimé, il y a de ces hommes-là, quand ils se mettent à insulter leurs femmes. Non, vous avez l'envie d'avoir tout de suite la barbe et de venir comme pasteur Godé. Mon frère apprend à respecter ta femme. Cette femme avec qui tu joues, tu ne sais pas combien de gens dans ton quartier l'attendent orgie. Bazali ko zela kaye. Ah, je te dis. Nathalie Siango Benza Solo. Je te préviens. Nazali ko kebisa peyo. Nous, moi je suis vraiment l'enfant de Bandal. Ngai nazamo na Bandal. Quand on grandissait, tango tozai ko kola. On avait un papa quelque part là-bas. Ezala ki da papa moko esika songo. Nous l'appelons tata papa. Tozala ki ko benga e tata papa. Tata papa un jour. Tata papa moko mo. Il était déjà plus âgé. Yazala ki mokolo. Mais il y avait un couple voisin mais un couple jeune. Ezala ki na babala ni mosu bazaki bilenge. Tata papa appelle la femme de ce couple jeune. Tata papa bengi mwasi. Il lui dit maman, mokolo bokozo makamu na papa oyo ko bata mes parents. Vous ne voyez pas qu'il y a une position orgée ici. Bomboni. Et si les ballons passent, les filets vont trembler. Vous savez, le problème, c'est que tu n'as jamais organisé le référendum dans ton quartier sur ta femme. Ah, je te donne l'information. Chaque fois que les gens voient ta femme, ils disent toujours, celui qui a une belle femme là, quand il commence à l'insulter, donc c'est pour te dire que la femme que tu insultes, elle est attendue. Amen, amen, peuple. Amen. Quel est cet homme qui peut insulter sa femme chaque jour? Qui a appris ça de qui? Qui a appris des choses comme ça? Il
Il n'y a pas que des hommes qui insultent, il y a des femmes aussi qui insultent leur mari. Il y a des femmes aussi qui insultent leur mari. Il y a des femmes aussi qui insultent leur mari. Parce que quand elle va voir la barbe, elle va sentir que tu es homme. Et puis ton problème aussi, il faut faire quand même le sport. Les camponneurs, et c'est la poitrine et tout. Les alliés à copus en amingi. Acclamons très fort pour celui qui va jamais. Il y a de ces femmes-là, quand elles se mettent à insulter leur mari, bango, oh, tu vas te demander pourquoi je n'avais pas rejoint le cardinal au couvent. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Frère, Ndeko. J'ai côtoyé plusieurs peuples. Mais ce qui se passe au Congo, dépasse tout en temps. Yango ezali ko lekela mabanzo nyonso. Je bénis Dieu parce que moi je ne suis pas trop réseaux sociaux. Na pamboli nzambe pote na zaka mingi te réseaux sociaux. Mais quand on est en déplacement, on cherche à voir les informations. Na mobembo, il faut voir comment les Congolais s'entraînent. Lo lengeni ba Congolais ba finga naka. À part le cobalt et le coltan. Wana tolongoli cobalt na coltan. On a découvert une nouvelle richesse. Au Congo, les injures. Et ça m'a finga. Yo, comment on a monté à ta niveau na haute à finga. Tu verras quelqu'un qui n'a même pas ton niveau. Mais t'as un bateau, bah, somi, somi, bah, diplôme. Je suis en train de m'étonner. Les gens qui ont acheté les diplômes à Kindele ici. Au coup, t'avais pas autour d'un bateau. Est-ce qu'il y a un diplôme? Tu verras, il est en train de poser des questions d'autres personnes. Est-ce que toi, tu as un diplôme? Il faut lui dire, si j'étais un voleur comme toi, nous sommes tombés très bas de l'église du Congo. Pourquoi les injures? Ça vient faire quoi? Ces personnes qui envahissent les réseaux sociaux avec les injures, tous les dimanches, ils sont dans les églises. C'est extrêmement grave. L'enfant de Dieu n'insulte pas. Si tu vois quelqu'un qui est dans les injures, ne limite pas. Prends acte de la mauvaise éducation qu'il a reçue de ses parents. Mais ne limite jamais. L'enfant de Dieu n'insulte pas les gens. Qu'est-ce que toi tu as pour insulter tout le monde? Il n'a que 200 000 dollars. Il traite les autres des pauvres. Qui t'a dit que 200 000 dollars, c'est la richesse? Qui t'a dit ça? Et même si c'était de la richesse, est-ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses insulter les autres? Regardez, même parmi nous les pasteurs, ceux qui ont l'argent entre guillemets, ne respectent pas les pauvres. Pourquoi ça? Je voulais vous dire que la roue de l'histoire est encore en train de tourner. Les pauvres d'aujourd'hui seront les richesses de demain. Contrôle des propos. Yo. Toi, tu t'es marié, tu as eu des enfants facilement. Pourquoi tu veux insulter celui qui n'a pas encore eu des enfants? Tu les traites de pute. Mais remonte dans ta mémoire. Tu sais que tu es entré dans ce mariage-là en friperie. Tu le sais? En friperie, en tombola. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui est né de Dieu, il n'insulte pas. Je veux rentrer dans les textes qui venaient de nous être lus. On nous parle d'une histoire très connue. Il s'agit de ces enfants qui insultent le prophète Élisée. Même s'ils font insulter, tu as cessé d'insulter tes frères, tu viens de sauter, tu commences à insulter même les serviteurs de Dieu. Même en matière de football, toutes les équipes ne jouent pas les mêmes compétitions. Nous avons les Pefkins, nous avons la Linafoot. Mais tu étais en train d'insulter dans ta famille, maintenant tu es entré dans la famille des autres. Si dans ta famille on te tolérait parce que c'est votre sang, les autres ne tolèrent pas les injures. Et
Élisée connaissait-il pas, ne leur avait fait que du bien. Après avoir reçu la double portion de l'onction qui était sur Élie, il était sur son chemin de retour. On va l'appeler pour lui dire que la ville avait des eaux qui étaient amères. Ce monsieur, ce serviteur de Dieu, il n'a même pas exigé l'argent. Il a demandé l'assiette et le sel pour assainir les eaux de la ville. Alléluia. Amen. Ah, je veux que tu sois l'assiette que Dieu peut se servir pour assainir les eaux de Kinshasa. Les eaux, ce ne sont toujours pas les eaux. Les eaux, c'est aussi des peuples. Les eaux, c'est aussi des langues. Donc, je voulais dire ceci. Le comportement du peuple congolais est abîmé. Dieu a besoin d'une assiette, c'est-à-dire d'un instrument. Mais un instrument qui contient du sel. Pourquoi l'instrument doit contenir du sel? Parce que la Bible déclare que les chrétiens doivent être le sel de la terre. Donc c'est toi qui dois rendre la vie potable sur la terre. Il faut que tu apportes la lumière là où il y a les ténèbres. Il faut que tu apportes la paix là où il y a les trous. Il faut que tu apportes l'amour là où il y a la haine. Il faut que tu puisses apporter la bienfaisance là où il y a la méchanceté. À ce moment-là, tu seras cette assiette dont Élisée s'était servi pour assainir les eaux de la ville. Pourquoi t'insulte? Pona nini? Kwa t'insulte? Pani ozali kofinga? Amen, amen. Amen. Ses enfants virent passer Élisée. Bana oba mona ki Élisée koleka. Quelqu'un qui n'avait fait que son travail. Moto asalaki kaka nde mosala na ye. Le rôle d'un serviteur de Dieu. Mosala mosali na nzambe. C'est d'apporter une eau de qualité à la société. C'est pourquoi lorsque vous lisez Ézéchiel 45, Ézéchiel vous parle d'une eau qui sortait de la chair du temple. L'ange lui faisait promener dans cette eau-là. Après les premiers mille coudées, l'eau était au niveau des chevilles. Après les deuxièmes millième de coudées, l'eau était à la hanche. Après la troisième mesure, l'eau l'avait submergée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ce sont des mystères qui parlent de l'arrivée du Saint-Esprit. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toutes choses. Donc celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est submergé dans les eaux. Le corps entier est mouillé. C'est comme cet homme qui devait préparer la Sainte Cène pour Jésus-Christ. Il avait une cruche sur l'épaule. Parce que de temps en temps, l'eau devait mouiller son corps. Ma soeur, tu viens chaque jour à l'église. Il y a une eau qui sort de cette terre. Cette eau est arrivée à quel niveau d'entente? Bien aimé, le christianisme, c'est toute une vie. Un chrétien, même quand il fait la politique, il reste chrétien. Même quand il est sportif, il reste chrétien. Ces enfants-là ont vu passer Élisée. Et quelqu'un qui n'avait fait que son travail, sans le saluer, directement il commence par l'injure. Monte chaud. Mata motona libandi. Monte chaud. Kenda motona libandi. Quel genre lo lengeni de chrétiens nous avons. Yaba Christo tozana bango lelo. Lorsque vous, pour le peu de temps que nous sommes entrés dans les réseaux sociaux, et moi je n'entre pas pour suivre ces bêtises-là, c'est quand je suis à l'étranger et je cherche à voir les nouvelles du pays. Mais vous avez honte d'être congolais. On va d'injure en injure. Et après, même celui qui avait insulté, il dit aux gens,
Je l'ai vraiment saqué. Ngai penza na sali o esengela kina sala. Na sosoli. Amen. Et il en est fier. Azali na lolo. Non, ça ce ne sont pas des vertus chrétiennes. Te oiza makamba motu ya te pona ba Kristo. Tu ne peux pas insulter ton frère. Tu ne peux pas insulter ta soeur. La Bible dit que fais à autrui ce que tu veux qu'on puisse faire. Qui peut accepter qu'on puisse l'insulter? Qui peut accepter qu'on puisse l'insulter? Qui peut accepter? De la même manière que toi, tu ne l'aimes pas. Na lo lenge oyo lingi les autres aussi n'aiment pas qu'ils soient insultés. Ils n'aiment pas que leur honneur soit bafoué. Pourquoi tu continues aussi cette mauvaise vie? À l'école, au marché, na etelo, na tu es connu pour cela. Yo, oyebani pona kofinga. Je voudrais que ce matin, na que l'éternel des amis puisse toucher ton cœur. Asimba que tu abandonnes cette mauvaise vie. L'injure n'est pas chrétienne. Regardez que ces enfants, ils ne faisaient pas du groupe des enfants des prophètes. C'était des jeunes garçons. Ils ont vu Élisée. Ils ont commencé par l'insulter. Ma soeur, je ne t'intimide pas. Non, on n'insulte pas les hommes de Dieu. Tu en paieras le prix. Je sais que au Congo, il n'y a plus de valeur. Frère, dans chaque société, il y a ce qu'on appelle des images fortes d'une société. Ces gens-là, quand on a été bien élevé par ses parents, on ne les insulte pas en public. La liste n'est pas exhaustive, mais je peux vous donner la liste des personnes qu'on n'insulte pas publiquement. C'est le chef de l'État. C'est le grand leader du genre Papa Étienne Tshisekedi Tshabalala. C'est les gens comme les Lumumba. C'est les gens comme les cardinals. Et j'en passe des meilleurs. Ces gens-là, des hommes bien élevés, ne les insultent, ne parlent pas mal de eux. Mais ici, il n'y a pas de valeur. On va d'un jour en un jour. C'est devenu même notre mode de vie. Non, si tu veux encore être chrétien, arrête cette mauvaise vie. Je sais que vous êtes venus pour que je puisse vous parler de vos oncles et vos tantes qui sont en train de vous envoûter. Mais je voulais vous dire ceci, que vos oncles et vos tantes prient aussi comme vous. Ils n'ont rien à voir avec vous. Si vous avez des problèmes, c'est à cause de votre conduite. C'est seulement dans ces pays où on croit que les sorciers sont au village. Quand tu es au Cameroun, quand tu es en Ouganda, pour qu'on sache que tu es un homme de valeur, tu dois avoir une grande maison dans ton village. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nos villages se détruisent avec ces prédications qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Frère, quand Jésus est en toi, tu deviens intouchable. Celui qui ose te toucher, il se verra catapulté. Pourquoi aujourd'hui nos villages se détruisent? C'est parce que l'Église a présenté tous les villageois comme étant des sorciers. C'est faux. Si Christ est en toi, quand tu arriveras dans ton village, ça sera le jour de la conversion de tous les membres de ta famille. Parce qu'ils vont découvrir qu'on nous a amené un nouveau Dieu. Pourquoi vous avez peur de vos villages? C'est pourquoi les villages ne se reconstruisent pas. Le jour où moi je deviendrai chef, je commencerai la reconstruction du pays par le village. Comme ça, le mouvement ira de ville vers le village. Et quand il faudra même reconstituer la ville de Kinshasa, nous commencerons par Nsele et Maluku. Vous savez, lorsque vous construisez de belles maisons à Nsele et Maluku, les mouvements
Balobi se fera vers de l'autre côté. Et nous n'aurons plus cette ville qui étouffe. Nous aurons une ville qui respire. Même à celle, je suis en train de parler des injures. Regarde que même tes enfants. Même tes enfants aujourd'hui. C'est comme on dit, Moudiambou du monde. Tes enfants, chaque fois que tu es convoqué à l'école, c'est parce que tes enfants ont insulté les autres. C'est parce que le préfet ne connaît pas que c'est toi l'auteur-compositeur de ces enfants. L'enfant n'étant que l'interprète. Bien-aimé, quelle est cette vie qui caractérise les gens aujourd'hui? Ils ingérissent facilement. Ces enfants sortis. Quelqu'un qui ne t'a rien fait. Les pasteurs là, tu ne les connais pas. C'est comme nous. Tu vois nous les pasteurs ici. Non, même si on est imbécile. Non, nous sommes combien très bas. Les gens disent que nous sommes les voleurs de l'offrande. Mais c'est être bête. Les associations vivent des cotisations de leurs membres. Même si on était bougre, pas à ce niveau-là. Et les gens qui vous insultent là, ce sont eux qui ont détruit le pays. Ah Seigneur, même si nous sommes dans la révolution, pardon, attrape-moi tous ceux qui avaient détourné l'argent de la Jekamine. FPI, FPI, DGDA, DGDA, DGI, DGI, DGRAD, DGRAD, SNEL, SNEL, Régie des eaux, Régie des eaux, Nzambe kangelanga bango. Amen. Soki batinga ki mbongo na poto, minele bakima bango na bambongo wana. Na bango, na bana na bango, bazwa mbasu. Donc ce sont des voleurs. Ils nous traitent, nous les pasteurs, des voleurs de l'eau. C'est l'imbécilité. Le problème, c'est que dans ce pays, il n'y a pas de méritocratie. Il y a des gens en fait qui devaient être dans des cases au village. Et ce sont ces gens-là qui occupent des hautes fonctions. Non. Les associations vivent des cotisations de l'air. Nous, nous travaillons pour ce pays. Si nous n'avons pas prié, mais les Blancs allaient balkaniser ce pays, nous méritons mieux que ça. Pourquoi vous insultez les gens? Même si on vous a insulté, mais vous ne devez pas réagir aussi par l'injure. 1 Pierre 2, 23. Lui qui injuriait ne rendez point d'injures. Ah. Maltraité ne faisait point de menaces. Voilà. Mais s'en remettait à celui qui juge. Acclamons très fort pour le roi. Il s'en remettait à celui qui juge. Qui est celui qu'on insultait? Le fils unique. Moi, du Dieu très haut. Vous voyez l'impolitesse. C'est comme les locataires qui insultent l'enfant du bailleur. Vous savez pourquoi Jésus ne donne pas ses capacités à certaines personnes? Sinon, ils allaient brûler le monde. Toi, tel que je te connais, si tu étais Jésus et qu'on t'insultait, non, tu allais appeler directement le feu. Consume-le. C'est pourquoi même si nous envoyons le feu, ça ce sont des dernières mesures. Il faut avoir du temps de prier pour nos ennemis. Alléluia. Amen. Il y a des jours où tu dois prier seulement pour tes ennemis. Que le Seigneur le pardonne. Qu'il se convertisse. Mais toi chaque jour, c'est toujours fait. Donc le
les gens font des choses qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas le fait de vociférer qui va faire peur à l'ennemi. C'est ce qu'il y a en toi. Frère, on insulte Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. On ne l'insulte pas à côté. C'était face à face. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Mais c'est ce qui avait poussé Pierre à prendre la. Il dit, vous ne connaissez pas qui vous insulte. Non. Quel que soit votre rang, les mal élevés, les mal polis, resteront tels quels. Vous pouvez voir un jour quelqu'un à qui vous n'avez rien fait de mal, il vous insulte. Ne le répondez pas. C'est comme ça qu'il a été élevé par ses parents. Recommandez-vous à celui qui est capable. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Au même moment, on va nous lire Jude. Verset 9 et 10. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Acclamons très fort pour le roi des rois. Continue, mon frère. Mais il dit, que le Seigneur te réprime. Acclamons très fort pour le roi des rois. Bien-aimé, le diable dont on parle ici, il est l'image de toutes les personnes qui te combattent. Tu n'as pas à insulter ceux qui te combattent. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, on vous a mal appris dans les églises que c'est en se battant, en priant tout en secouant la tête, que le diable va partir. Non. Les prophètes de Baal, quand ils priaient, ils sautaient. Baal. Mais ce n'est pas ça que Dieu va. Dieu lui, il tient compte de l'état de ton âme. Lorsqu'il voit que tu es innocent, il va s'occuper de toi. La vengeance ne doit pas venir de toi. La vengeance doit venir de l'Éternel des armées. Que les gens te considèrent comme un imbécile. Mais devant Dieu, tu auras toujours de la valeur. Frère bien-aimé, je voulais vous dire quelque chose. Après l'enterrement de Jésus, personne n'avait prié pour ta résurrection. Est-ce que je me fais comprendre? Vous ne me comprenez pas. Je dis ceci. Lisez toute la Bible. Après la mort de Jésus, personne n'avait prié pour sa résurrection. Mais malgré cela, Jésus fit ressusciter. Qu'est-ce qui a fait ressusciter Jésus? En lui, il y avait la parole de Dieu. Dieu s'était souvenu de ce passage qui dit que tout passera. Vous ne me comprenez pas. Il y a un passage qui dit ceci. Tout passera, mais ma parole ne passera jamais. Si tu as la parole de Dieu en toi, que le pasteur prie ou pas pour toi, tu vas ressusciter, parce que la parole de Dieu déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Moi je regrette que Dieu vous bénisse. Je regrette parce qu'aujourd'hui on apprend, on dit aux enfants de Dieu, pour que tu sois délivré, il faut sauter. C'est pourquoi la prière, c'est devenu comme un sport. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons arracher. Regarde, même les mamans. Cette maman qui vient d'insulter son mari ici. Est-ce qu'elle peut arracher quelque chose? Akoki koboto le loko. Je connais une soeur.
Il avait épousé un mari turbulent. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Son mari était chef. Nous sommes à l'époque de Mobutu. Azalaki Mokonzi, Tozaki Nantangwa Mobutu. Il rentrait à la maison à 16h30. Quand il mangeait, à 18h, il est reparti pour revenir vers 1h. Pour revenir vers 1h et 2h. Alors, les gens voulaient l'amener dans des églises pour dire que tu dois combattre pour arracher ton mari. Amen, amen, peuple. Amen. Mais son père était chrétien. Azaki mo Christo. Il a dit à sa fille, il dit, ma fille, ne riposte pas contre le comportement de ton mari. Même quand il va t'engueuler, ne réagis pas. Laisse-le. Le Dieu que j'ai pris te visitera même vers le soir. Amen. Alors la fille pouvait venir en train de pleurer. Papa, je dois rentrer. Je ne suis pas enfant de pauvre pour mériter ça. Je suis belle. Je suis encore jeune. Je peux trouver un autre mari. Son père lui disait que le Dieu que nous prions, il n'a jamais échoué. Alors, son père là ne priait pas en sautant comme vous. Tata, parce que vous, quand vous priez, même les chaises, vous tata, les soulevez. Oh, je ne sais pas pourquoi vous soulevez les chaises quand vous priez. Nabite, tango bozai ko bonde, bozai ko tombo la kaba kiti pona nini. Oh, bouge la biso kiti pamba ye. Tu vas casser nos chaises. Sambela, ezala ogangi, ezala ogangi, te sot mote mana peto lo sambe o sani ni, te omata. Oh, tu ne cries pas, mais si tu as et un cœur pur, aujourd'hui, il y a une habitude à Kinshasa. Si on prie calmement, on dit passer à Nabolembo. Balobi, le pasteur est faible. Ce n'est pas le fait de crier. Je vous ai dit que le prophète de Baal braillait. Ils étaient en train de brailler. Mais ils n'ont jamais été exaucés. Donc, la prière, c'est selon les sentiments. Anna remuait ses lèvres. Ce qui compte devant Dieu, ce ne sont pas les lèvres. Ce qui compte devant Dieu, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Si Dieu entendait ce qui, seulement ceux qui criaient, c'est-à-dire que les muets n'allaient pas entrer au ciel. Je ne t'interdis pas de crier parce que vous aimez ça. Mais que tu cries, que tu ne cries pas, je voulais que tu aies un sens supérieur à celui d'Abel. Le sens qui est capable de crier même quand tu dors. C'est le sens qu'on obtient lors de l'effusion du Saint-Esprit dans la vie des noms. L'homme cesse d'être homme, il devient homme spirituel. C'est de cet homme-là qu'il est dit que vous allez prendre des breuvages mortels, rien ne vous arrivera. Tout simplement parce que quand on devient une nouvelle créature, même les organes corporel change. Oh, laisse que tel que je suis en train de prêcher, que les organes de ton corps changent. Même le jour où tu prendras le breuvage mortel, aucun malheur ne puisse t'arriver. Ça, c'est la puissance de la parole. Je vous ai dit, frère bien-aimé, que Jésus, personne n'avait prié pour sa résurrection. Marie partait pour continuer à garder le cœur du corps. Mais malgré cela, il ressuscita. Je voulais te dire que si la parole de Dieu est en toi, tu iras de résurrection en résurrection. Donc avant la résurrection, lors du retour de Jésus, tes affaires vont ressusciter. Ton travail va ressusciter. Tes projets vont ressusciter. Pourquoi ça ressuscite? Parce qu'en toi, il y a une parole. Et cette parole, c'est cette voix qui criait dans les déserts. Quand cette voix la crie, s'accomplit le verset qui dit que l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts en Christ entendront la voix du Seigneur. Oh, je voudrais que tout ce qui était déjà mort en toi, comme tu as abandonné les injures, entendre la voix du Seigneur. Je reviens à l'exemple de la sœur. Finalement, la sœur a intériorisé les enseignements de son père.
Le mari venait. À 16h, la table était prête. À 16h, il y a. Et c'est elle-même qui préparait les habits qu'il devait porter avant de sortir à 18h. Elle est passée par ce calvaire pendant 5 ans. Elle n'a pas respecté. Ses amis l'ont traité d'imbécile. Mais je vous dis, au ciel, il y a un homme. Il voit tout dans les secrets. Même quand tu es malmené, il peut faire semblant, mais il voit. Chaque fois, cette sœur priait et demandait à Dieu de bénir son mari. Elle lui disait, Seigneur, fais tout Salagnons. Qu'elle ne tombe jamais sur une sidéenne. J'attendrai ta bénédiction. Comme Habakkuk avait dit que cette prophétie écrit la grave, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Donc je voulais dire à quelqu'un que ta prophétie qui avait tardé va s'accomplir aujourd'hui parce que tu marches dans la droite de ce que tu parles. Frère, la parole est plus puissante que la superpuissance du Saint-Esprit. Alors un jour, le chef la rentre, la femme l'a servi comme d'habitude. Et elle a apprêté les habits du soir. Elle vivait ça pendant 5 ans. Je voulais te dire que dans la vie, chaque chose a un débit et une fin. Donc tu vois tes souffrances là, tu peux les terminer si tu marches dans la droiture. Alors à 18h, il constate que son mari s'est lavé. Il était sûr qu'il allait porter ses habits et repartir. Mais quand il sortait de la douche, il était en pyjama. La puissance de la parole. Alors à 18h30, la femme constate que l'homme n'était pas sorti. Elle était inquiète. Elle se disait que certainement qu'il est tombé malade. Elle vient lui dire, papa, tu es malade. Il dit pourquoi. Mais parce que toi, c'est à 18h que tu rentres. À 18h, écoutez la réponse. Donc, tu veux me chasser dans ta maison. Authentique. Acclamons très fort pour toi. Tu veux me chasser de ta maison? Il dit non, papa, je vais te chasser pourquoi? D'abord, ce n'est pas ma maison. C'est ta maison. Tu m'as toujours dit que ce n'est pas ma maison. Comment je vais te chasser de chez toi? Toi aussi, tu n'oublies pas des choses. Amen, amen. Amen. Après 5 minutes d'entretien, au salon, l'homme se met à genoux. Il dit à sa femme, je t'ai fait trop de mal. J'ai réfléchi. Tu es plus belle que toutes ces filles qui m'ont tourné la tête. Aujourd'hui, pardonne-moi. Je sais que ce que j'ai fait, c'est difficile que tu oublies. Mais je te demande de me pardonner. Alors, si tu m'as pardonné, dis-moi ce que tu veux que j'achète pour toi. Amen, amen, bandeko. Basaka défilé malami balété. Eh, ce qui défilé au sol, béto dendi, et salini, et s'il faut, ose les 30 juin moussous. La serre commence. Cette maison-là, à mon nom. L'autre là, à mon nom. L'autre encore, à mon nom. Je lui ai dit qu'il faut chercher les avocats. Parce qu'il est comme ça, il peut oublier. Et on a changé même les documents. À l'époque, l'Europe c'était comme le ciel. La femme a dit, moi aussi, je vais visiter l'Europe. Dans une semaine, et je n'ai jamais oublié. À l'époque, quand ils sont arrivés en Europe, il a acheté à sa femme les bijoux de 80 000 dollars. Donc, elle ne s'était pas bâtie.
Elle ne s'était pas agitée comme vous. Regardez comment vous pliez. Satan a lié yo. Vous pouvez jouer avec le diable. Non, vous êtes au sacana diable. Hier, mon gars, c'est bon. Satan a lié yo. C'est quoi, Azongi, c'est sous moi. N'a lié lui sous. Au moins, t'es au fond. Je voulais vous dire que rien ne remplace la parole. Aujourd'hui, je vous parlais de la vie des injures. Dans votre vie, n'insultez pas. N'insultez pas vos enfants. N'insultez pas votre femme. N'insultez pas votre mari. N'insultez pas les gens comme vous le faites. Ça déshonore Dieu et ça vous conduit à ce qu'on appelle parjure. Celui qui injurie se sépare de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens sont accablés par des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette vie de sainteté. Donc ce matin, je voulais vous dire, ne juriez pas. Même si quelqu'un t'insulte, bénis Dieu. Mais le Dieu de vengeance s'en souviendra. Il te vengera un jour. Ce n'est pas à nous de se venger. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ceux qui t'insultent, ils cherchent à t'humilier. Mais ils ne connaissent pas la volonté de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. Jésus avant sa mort, il a été insulté même par les passants. Donc les gens qui sont dans l'impudicité disent au Seigneur qu'ils n'avaient pas de puissance. Mais ça finira par se savoir. Alléluia. Amen. Ça finira par se savoir. Donc il y a quelque chose qui s'est produit dans le monde qui ne s'était jamais produit et qui ne se reproduira plus. C'est que quelqu'un qui était mort, enterré, il ressuscite de lui-même après 3 jours. Que les gens t'insultent, que les gens puissent dire n'importe quoi sur toi, ils n'arrêteront pas ton destin. Moi, j'aime vous donner l'exemple de notre président de la République. Est-ce qu'en 2018, il y a eu quelqu'un qui a été insulté comme lui? Mais aujourd'hui, Yannigaga. Amen. Tu peux aller à l'OIA. Tu peux aller à l'ONU. Tu peux aller partout. Le président de la RDC, c'est Fati. Kumu Yamboka RDC, c'est Fati. Je te l'ai dit. Donc, tu peux. Donc, ce que l'ingé était. Salamo kilioyo yayo. Salamo yayo Congo. Donc oyo na minute boye. Présentement. Donc na minute boye. Présentement. Et ça Fati. C'est Fati qui est président. Soko ke na oya. Oya sale lomboka. Na oya zaka na bureau na Addis Abeba. Tu es au président na bureau na yeko. Donc je donne cet exemple pour vous faire voir que les injures contre toi n'arrêteront pas la volonté de ton égard. Même s'ils disent que tu es pitre, tu vas te marier. Plus ils disent que tu es pitre, Dieu augmente la dose de d'amour de ton mari envers toi. Ah, même si j'ai dit ça, je reste le pasteur tout le monde. Alléluia. Amen. Je reste pasteur de tout le monde. Alléluia. Amen. Ah, je me rends compte que l'heure est très avancée. J'ai donné ces exemples pour que vous, ce n'est pas que j'ai un parti pris, mais c'est pour vous faire voir que les injures contre toi n'arrêteront pas les plans de Dieu à ton égard. Ils peuvent t'insulter, ils peuvent tout faire, mais ce que Dieu a prévu pour toi finira par s'accomplir. Donc je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin, et je suis obligé de m'arrêter par là parce que je crois que j'étais très utile pour vous. Je disais qu'il me restait seulement de dire quelque chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse le papa de notre église. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond.
Que Dieu bénisse le président Fati. Que Dieu bénisse Martin Fayoulou. Que Dieu bénisse le président Jikaka. Que Dieu bénisse Jean-Pierre Bemba. Que Dieu bénisse Moïse Katumbi. Que Dieu bénisse toute la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse la République démocratique. Na katia lupango.